réveiller son temps de telle sorte qu'il s'éveillait d'ordinaire entre 8 et 9 heures. Qu'il fasse jour ou non, c'est ce qu'avaient ordonné ses anciens maîtres, alléguant les paroles de David. Quelle vanité de vous lever avant le jour! Puis il gambadait, sautillait, se vautrait un moment sur la paillasse pour mieux ragaillardir ses esprits animaux. Et il s'habillait selon la saison, mais portait volontiers une grande robe longue de grosse laine frisée, fourrée de renard. Après, il se peignait avec le peigne d'Almain. C'est-à-dire avec les quatre doigts et le pouce. Car ses percepteurs disaient que se peigner, se laver et se nettoyer de toute autre façon revenait à perdre son temps en ce monde. Pour abattre la rosée et le mauvais air, il déjeunait de belles tripes frites, de belles grillades, de beaux jambons, de belles pièces de chevreau et de fortes tartines matutinales. Ponocrate lui faisant remarquer qu'il n'aurait pas dû s'empiffrer si brusquement au saut du lit sans avoir fait quelques exercices au préalable, Gargantua répondit: quoi? N'ai-je pas fait suffisamment d'exercices? Je me suis retourné 6 ou 7 fois à travers le lit avant de me lever. N'est-ce pas assez? C'est ce que faisait, sur les conseils de son médecin juif, le pape Alexandre. Et il vécut jusqu'à sa mort en dépit des envieux. Mes premiers maîtres qui m'ont donné cette habitude disaient que le déjeuner donner bonne mémoire. Aussi étaient-ils les premiers à y boire. Je m'en trouve fort bien, ils n'en dînent que mieux. Et maître Tubal, qui fut le premier de sa licence à Paris, me disait que le plus profitable n'est pas de courir bien vite, mais de partir de bonne heure. Aussi la bonne santé de notre humanité, ce n'est pas de boire des tas, comme les cannes, mais c'est bien de boire matin, d'où le proverbe, le matin n'est pas bonheur, boire matin c'est bien meilleur. Après avoir déjeuné bien comme il faut, il allait à l'église et on lui apportait dans un grand panier un gros bréviaire emmitouflé, pesant tant en graisse qu'en fermoir et parchemin. 11 quintossi livres. À peu de choses. Là, il entendait 26 ou 30 messes, le pauvre. À ce moment-là, venait son 10 heures d'heure en titre, encapuchonné comme une huppe, ayant bien immunisé son haleine à force de sirop vignola. Il marmonnait avec lui toutes ses kyrielles et les épluchait si soigneusement que pas un seul grain n'en tombait à terre. Au sortir de l'église, on lui apportait sur un fardier à bœuf un tas de chapelets de Saint-Claude, dont chaque grain était gros comme le moule d'un bonnet. Et en se promenant à travers les cloîtres, les galeries et le jardin, il en récitait plus que 16 ermites. Puis il étudiait pendant une méchante demi-heure, les yeux posés sur le livre, mais, comme dit le comique, l'esprit à la cuisine. Parce qu'il était de nature flegmatique, il commençait son repas par quelques douzaines de jambons, de langues de bœuf fumées, de boutargues, d'andouilles, d'oignons frits, de figues de Marseille et d'autres avant-coureurs de vin. Pendant ce temps, 4 de ses gens, l'un après l'autre, lui jetaient dans la bouche, sans interruption, de la moutarde à pleine pelletée. Puis il buvait un horrifique trait de vin blanc pour se soulager les rognons. Après, il mangeait selon la saison des plats à la mesure de son appétit
et cessait de manger quand le ventre lui tirait. En matière de boisson, il ne connaissait ni fin ni règle, car il disait que les limites et les bornes du bois apparaissaient quand le liège des pantoufles du buveur s'enflait d'un demi-pied en hauteur. Ah, Gargantua. Tout le monde connaît ce bon géant de notre littérature, buveur, jouisseur. Et vous savez sans doute aussi que sa mère, Gargamel, lui donna naissance après avoir trop mangé de tripes lors d'une ripaille en compagnie de joyeux lurons de son village, et que le nouveau-né, en voyant le jour, se mit à brailler pour demander à boire, à boire. Ce qui fit dire à Grand Gousier, son père, que grand tu as, que grand tu as, le gosier. Et à l'assistance médusée qu'on devrait assurément pour cette raison l'appeler Gargantua, pour suivre l'exemple des anciens Hébreux, puisque telle avait été la première parole de son père à sa naissance. Gargantua, ou plus exactement les grandes et inestimables chroniques du grand et énorme géant Gargantua, connut dès sa publication en 1534 un énorme succès. François Rabelais, son auteur, pouvait à juste titre s'en réjouir. Si tout le monde connaît Gargantua et son fils Pantagruel, peu de gens savent qui était réellement François Rabelais, qui pourtant bouleversa la littérature de son époque, ne serait-ce que par le fait qu'il écrivait dans la langue nationale, comprise par tous et pas seulement des lettrés, la langue française. Beaucoup de mystères entourent encore sa vie que l'on imagine généralement joyeuse et légère. Une chose est sûre, il est né à la fin du XVe siècle en Touraine, ce jardin de la France, sur cette terre qui plus que tout autre permet de rompre l'os et sucer la substantifique moelle. Sans doute en 1494 ou en 1483. Ou encore en 1489, là déjà, on ne sait plus trop bien. Il vint au monde, en tout cas, en une période faste en Europe pour le développement de l'humanité. L'imprimerie faisait son apparition en France, après Bâle et Venise, et avant la Hollande et l'Espagne. L'Amérique était découverte ou redécouverte en 1492 par Christophe Colomb, et David Copernic, de son côté, définissait le système solaire. Les limites du monde, une fois encore, explosaient. La science s'imposait, la médecine innovait, l'invention de la gravure vulgarisait les œuvres d'art, la culture antique était remise à l'honneur. Cette période brillante que l'on appela la Renaissance vit l'éclosion des plus grands génies artistiques. Donatello, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël. La Renaissance italienne, apparue dès le XIVe siècle en Italie, gagnée à la France sous l'influence de professeurs et d'étudiants venus travailler dans les universités italiennes, ils en rapportèrent le goût des lettres anciennes et la passion de l'Antiquité. C'est ainsi qu'un des premiers ouvrages, sortis de l'imprimerie de la Sorbonne, La Rhétorique, de Guillaume Fichet, affirme l'objectif d'enseigner l'art du bien dire, puisé à la source féconde du génie grec et latin. Cette renaissance se manifesta d'abord par l'humanisme. La plupart des humanistes français sont des érudits, comme Guillaume Budet, premier helléniste français, fondateur du Collège des Trois Langues, qui deviendra le Collège de France. Ces humanistes introduisent l'idée de libre pensée et d'art et donnent à l'individu sa valeur propre. Le roi François Ier et sa sœur Marguerite favorisèrent ce nouveau courant, son courant de poètes et de lettrés. Cet engouement pour la littérature ancienne risquait toutefois d'étouffer le développement de la langue française et de privilégier à l'excès l'étude du grec et du latin. En
définitive, il n'en fut rien. Ce retour à l'Antiquité contribua, au contraire, à l'enrichir grâce à des hommes qui, sans rejeter l'influence de l'humanisme, pratiquaient les genres traditionnels, rondeaux, ballades, dans le domaine de la poésie, comme Clément Marot, Ronsard, Joachim du Bellay, Pontus de Thiars, Baïf, Jodel. Le groupe de la Pléiade, constitué en 1556, s'appuya sur un manifeste rédigé par du Bellay, Défense et illustration de la langue française. Du Bellay est sans doute le plus attachant des poètes de la Pléiade. Lorsque son cousin Jean, qui était cardinal, fut nommé par le bon roi Henri II, ambassadeur extraordinaire à Rome, il fut appelé auprès de lui comme intendant et secrétaire. Il trouvera à Rome la fortune et la gloire, mais très vite regrettera la France. De ses regrets naîtront quelques sonnets magnifiques qui ont traversé les siècles et vont renaître ce soir un bref instant dans la bouche sublime de Caroline. Je hais plus que la mort un jeune casanier qui ne sort jamais hors, sinon au jour de fête, et craignant plus que le jour qu'une sauvage bête se fait en sa maison lui-même prisonnier. Mais je ne puis aimer un vieillard voyager qui court de ça, de là, et jamais ne s'arrête. Ainsi, les pieds moins légers que légers de la tête ne séjournent jamais non plus qu'un messager. L'un sans se travailler en sûreté demeure, l'autre, qui n'a repos jusque à temps qu'il meure, traverse nuit et jour mille lieues dangereux. L'un passe, riche et sot, heureusement sa vie. L'autre, plus souffreteux qu'un mendiant, qu'un pauvre qui mendie, s'acquiert en voyageant un savoir malheureux. Heureux, qui comme Ulysse a fait un bon voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin. Plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Merci. En prose, la langue nationale sera utilisée de plus en plus couramment par de grands auteurs aussi différents que Calvin ou Montaigne. Et elle se substitue même au latin dans les jugements et les registres d'état civil par l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Voilà donc comment se présente la situation dans le domaine artistique et littéraire lorsque Rabelais commence à écrire pour la première fois en français, pour tous les Français qui savaient lire, bien entendu, à savoir ceux qui appartenaient à la bourgeoisie, celle des offices, des études, du commerce ou de la finance, une bourgeoisie encore très proche du petit peuple dont elle était issue. Sur le plan politique, l'homme qui marquera le plus cette période et dont le nom reste associé d'ailleurs à celui de la Renaissance, c'est François Ier. 1515, ça vous dit quelque chose? C'est effectivement la fameuse bataille de Marignan. Comme nous le savons tous, et la victoire superbe de François Ier sur les Suisses l'année même de son avènement. Le musicien Clément Jeannequin, pour célébrer cet événement, composa Marignan, et la fanfare « Vive le roi » de Josquin des Prés retentit dans tout le royaume.
règne lutta contre son grand rival, le redoutable Charles Quint, et la puissante maison d'Autriche, n'hésitant pas à s'allier avec Henri VIII, roi d'Angleterre, lors de la fameuse entrevue du Drap d'Or. Victoire et défaite émaillèrent son règne et firent malheureusement de nombreuses victimes. Mais il restera dans l'histoire comme le protecteur des lettres et des arts, qui promenait avec lui ostensiblement une cour brillante dans les châteaux royaux d'Île-de-France ou de la vallée de la Loire, que des milliers de touristes continuent à visiter de nos jours chaque année. Pour en revenir à François Rabelais, il y a longtemps que je souhaitais en savoir un peu plus sur ce moine défroqué, ce singulier médecin, ce franc buveur et sauteur de figues, si l'on en croit tout au moins la rumeur populaire de son temps. Comment ne pas la croire, d'ailleurs, et ne pas imaginer que François Rabelais a mené une très rabelaisienne existence. En définitive, pour en obtenir confirmation et répondre à mes interrogations, le plus simple n'était-il pas de s'adresser à l'intéressé lui-même ? Je lui ai donc demandé s'il voulait bien que je lui pose quelques questions sur sa vie, ce qu'il a accepté fort aimablement. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Maître François Rabelais, le père de Gargantua et de Pantagruel. Ce qu'il me plaît de faire. Suivant le principe de notre belle abbaye de Thélem, fais ce que voudra. Et si je suis ici, ce n'est point pour vous faire honneur, mais parce que je suis content, donc je vous le redis, de l'être avec une aussi jeune personne. Sachez tout d'abord, Maître François, sachez tout d'abord que j'ai depuis toujours, une grande admiration pour vous et que je souhaiterais écrire un jour votre biographie. Mais j'aurais besoin de votre précieux concours. Mais voilà bon vin finot de maîtreille à faire pisser bien dru. Que dites ? Je pensais simplement que ce pinot allait me mettre les idées en place pour vous poser quelques questions. J'ouvre mes oreilles aussi grandes que le cryptisymen de ces femmes qui ne sont que lesbines, coureuses, fricatives, filles d'amour, pèlerines de Vénus et blanchisseuses de tuyaux de pipe. Caroline, auriez-vous l'obligeance de nous faire passer ces verres? Merci. Mais non. Merci. Thank you.
avez dû mener une existence fort joyeuse, maître François. Aussi, je serais très heureux si vous vouliez bien nous en conter l'histoire. Ta-ta-ta. Voilà question d'âne renforcé en berlificoté qui me donne la colique. Celui-là qui mal imagine et gribouillonne de ma prétendue joyeuse vie n'est que bec jaune. Ce n'est que légende stupide de bonne femme que colporte ville, rumeur de langue et autres fruits secs. Qui escrime de moi sans en rien savoir. Et s'imagine, parce qu'ils ont lu de Gargantua, Grand Gousier et Pantagruel, que François Rabelais est une espèce de maître et sans bricolage, tout occupé seulement au joli jeu de pouce avant. Si votre vie n'est pas ce que l'on imagine, alors, maître, pouvez-vous nous dire ce qu'elle fut vraiment ? Je suis né un matin de 1494. À deux lieues de Chinon et à deux portées de fusil de l'abbaye de Sully dans le domaine de la Devinière. C'était le logis de campagne de mon très illustre père Antoine Rabelais, avocat à Chinon, et qui ne venait en ce lieu que pour se décrasser les circonvolutions du cerveau, tout empesté de mauvaises fumées procédurières, et pour surveiller les grosses bourdes, bien sûr, que ces métayers ne manquaient pas de faire lors des moissons et des vendanges de ce merveilleux raisin Pinot. Allez, buvons un coup. Quelle merveille. Libre, sous ce ciel de Chinon, du pays de Chinon, j'ai vécu comme vivent tous les enfants ici, mais à l'âge où s'ébattent par les campagnes et les forêts, les jeunes dénicheurs d'oiseaux, les marmots trousseurs de filles, qui s'impatientent déjà de mettre la main à la pâte. Mon père me place en le couvent de Seuillé. Il se trouvait dès lors une poignée de moines bénédictins plus instruits d'art vinifique, je vous l'avoue, que de latin cicéronien, et qui ne connaissaient mieux le goût du pinot que le De Sermonis Corrupti Mandation, et on ne peut pas leur en vouloir. Cependant, par merveilleux miracle de Dieu, dont la bonté est grande, j'ai appris mon rudiment et commençais à jargonner le latin. Mais c'était comme un jeune moinillon parle du trou madame, c'est-à-dire mal et sans connaissance du sujet. Ce après quoi je fus novice au couvent franciscain de la Baumette, 600 près de la bonne ville d'Angers. Désiriez-vous devenir moine ? Assurément, mon cher, assurément, car ma soif, ma grande soif, d'apprendre aux livres théologiques n'avait de commune que ma franche pépie de vin pinot. Or, bientôt, s'en vint le temps, moine en prêtrise, je reçus les ordres mineurs. Passant alors au couvent des Cordeliers, renforcés, tonsurés, vêtus de bure et chaussés de sandales, j'entrepris l'étude de la mirifique langue grecque. J'imagine que vous étiez alors un joyeux étudiant, faisant mille farces à ses professeurs et courant après les filles. Point du tout, quelle idée saugrenue! Ce que dites là devant était l'avis de certains moines turlupins, fréquenteurs de lupanards et autres gens foutres, Dieu leur pardonne. Tous matagots sans esprit et peu désireux de devenir vrais abîmes de science comme moi, qui m'esbignais à traduire Homère et Pythagore, et ces moines ignares, tout juste bon les aigueux à se dilater la rate et à s'emplir le gaster de chapons, boudins et andouilles, s'esbaudissaient même très fort de mon ardeur à lire les livres savants et à traduire l'Iliade dans ma cellule, et ce, à la lueur tremblante de bouts de chandelle qui coulaient comme le nez de ce morveux de Gargantua, mon séjour de rhume de cervelle. Sans doute, maître François, mais je voulais dire seulement
qu'au milieu de vos austères études, vous arrivez, peut-être, de vous distraire et de vous réjouir. Il est vrai. Et ce fut, par exemple, grande régalade de joie d'apprendre que l'évêque de Maizet, Geoffroy d'Estissac, premier évêque depuis le Concordat signé par notre bon roi François et sa très grande sainteté Léon X, m'appelait pour être le précepteur de son neveu. J'ai trouvé grand bonheur dans le cadre de pierres de verdure et de calme du prieuré de Ligugé, merveilleux prieuré. C'est là d'ailleurs, me semble-t-il, que vous avez donné le premier en date de vos écrits français, si mes renseignements sont exacts, le 6 septembre 1524, un épître de 100 vers adressé à un ami, reflétant votre choix délibéré et courageux d'écrire en français. Absolument. Tenez-vous bien. Le français était alors considéré, réputé, langage vulgaire et trop bas pour recevoir de nobles inventions. J'ai lancé mon pied dans l'immonde fourmilière de l'ignorante Sorbonne. La Sorbonne, alors toute puissante, ne vous portait guère dans son cœur, d'abord à cause du développement du grec que vous pratiquiez, et je me suis même laissé dire qu'elle irait jusqu'à vous confisquer vos ouvrages grecs. C'est exact. La lecture de tels ouvrages supposait une ouverture d'esprit particulière que ne possédaient point les vieux châtemis grimpions et tranches montagnes de la Sorbonne. Heureusement, notre bon roi François créa à ce moment-là le collège des lecteurs royaux qui deviendra collège de France, lequel échappa au contrôle de la Sorbonne. Ce fut un tournant dans la vie intellectuelle française. Les humanistes prenaient enfin en main celle-ci. Enfin, les lettres étaient de retour d'exil. Pour en revenir à vos fonctions de précepteur du neveu de l'évêque de Maillezais, vous vous réjouissiez aussi sans doute à l'idée d'être libre et de pouvoir visiter tous les lieux coquins du Poitou en compagnie de ce charmant jeune homme. Hein? Hors ça! Me prenez pour paillard et miroir à putain? Tout juste tourmenté de franches lipées et de jeux de réversis? Hors ça, sachez, frivole ignorant, que ma joie était pour ce que la bibliothèque de Maizet était une des plus belles de France et que par là, j'allais pouvoir travailler à traduire Pluton, Plutarque et Pausanias. Ainsi passèrent mois après mois à apprendre et à enseigner, sans jamais lever visage de mes chers bouquins. À un lieu de Ligugé, dans une abbaye nommée Fontaine-le-Comte, un groupe se constitua avec les meilleurs esprits de la région, et je fus très rapidement introduit. Ne vous méprenez pas encore sur ce mot. Ce groupe était composé essentiellement d'ecclésiastiques. Il devint très vite le lieu de riches échanges intellectuels où l'on donnait volontiers dans la versification. Par la suite, l'évêque me convoqua et je me rendis à Poitiers, ville emplie d'escaliers où montait en descendant, et dont l'université comportait 4 facultés, art, théologie, médecine et droit. Et j'y fis alors avec grand bonheur mes études de droit. Oui, l'université de Poitiers, en effet, était alors très réputée. Pantagruel la fréquenta lui aussi à son jeune âge. Caroline, voulez-vous nous la confirmer? Effectivement, Pantagruel alla à Poitiers pour étudier et fit beaucoup de progrès.
Là, voyant que les étudiants avaient quelquefois des moments de loisir et qu'ils ne savaient comment passer le temps, il fut pris de compassion pour eux et un jour, pris d'un grand rocher nommé Passe-Lourdin, une grosse roche d'environ 12 toises de périmètre et 14 en pente d'épaisseur, et la mit sur 4 piliers au milieu d'un champ bien d'aplomb, afin que ses étudiants, quand ils ne sauraient que faire, passent leur temps à monter sur cette pierre, à y banqueter avec des tas de bouteilles, de chambons, de pâtés, et à écrire leur nom dessus avec un couteau. À présent, on l'appelle la pierre levée. Et en souvenir de cela, personne n'est aujourd'hui inscrit sur le matricule de l'université de Poitiers avant d'avoir bu à la source cabaline de Croustel, d'être passé à Passe-Lourdin et d'être monté sur la pierre levée. Parce que vous étiez donc à Poitiers, maître François, vous aviez tout juste 28 ans. Et après Poitiers, vous avez décidé de visiter quelques autres universités pour vous instruire, notamment de théologie. Vous dites vrai, enfin. Et c'est ainsi que je me suis rendu à Bordeaux, où est la rivière Garonne, puis à Agen, la capitale des pruneaux. Une Louise basse. Excellent pruneau. Merveilleux. Enfin, à Toulouse, à Bourges, accomplissant une sorte de tour de France de la culture, puis j'arrivais à Orléans, ville où s'illustra notre vaillante Pucelle, et où je connus un étudiant maigre et racorni nommé Jean Pauvin qui devait un jour signer ses œuvres, Jean Calvinus, qu'on nomme à grand tort pour cela Calvin. Et enfin, vous êtes arrivés à Paris, qui déjà à votre époque attirait les jeunes gens avides de plaisir et de connaissances. Vous avez dû être aussitôt enthousiasmé par la joyeuse ambiance qui y régnait. Nullement, nullement, mon cher, à Paris, grouillés comme vieux, comme vers en charogne sorbonicole, maître de graisse cuistrerie, ergoteur de rien et autres ânes bâtés, dont le maintien fort ridicule me mit en joyeuse pensée. Ils avaient un mirliton dans le fondement. Écœuré, je finis par m'en aller. Cependant, après une liaison avec une jeune veuve qui me donna deux enfants sont adorables, François et Junie, je me rendis en la très illustre ville de Montpellier afin d'y étudier la science de médecine. J'avais, il est vrai, jeté robe aux orties pour circuler librement au milieu d'hommes de belles lettres, dont certains, tenez-vous bien, si j'ose dire, étaient sodomistes. Et alors, comme il arrivait là souvent dans cette profession, et risquait de se sentir tout en amouré à la vue d'un moignon, car croyez-moi, j'étais encore bien frais et alléchant, ce qui hélas n'est plus le cas. Mais revenons à la médecine. Mon père
Montpellier me fut une grande jubilation. Pourquoi me dites ? Pour ce que les insondables, les très enténébrés mystères de la vie me faisaient de très longtemps grand mal aux tripes, tant me donnait la chose de vertigineuses pensées. J'étais fort en la sapience du grand Hippocrate, dont j'avais traduit les mirifiques aphorismes que tous enfarinés et grognés de docteurs en chair me voulaient prendre que pour malodorant pipi de colibri et chure de mouche. Et je fus l'un des premiers escoliers à étudier l'anatomie sur corps d'homme défuncté que l'on coupe à petits morceaux au moyen de coutelles aiguisées. Ces pratiques n'étaient-elles pas interdites par l'Église, maître François ? Vous avez raison, mon garçon, et pour cette raison, il nous fallait déterrer et enlever nuitamment quelques trépas assez récents au cimetière des Augustins pour étudier dans caves secrètes. Durant ce temps, je rencontrai des hommes fort savants qui devinrent amis fidèles, comme Michel de Notre-Dame. Je voulais parler de Michel Nostradamus, qui nous a laissé ses étonnantes prédictions, les centuries. Assurément. C'était un homme fort simple et qui possédait une foi profonde dans l'humanité. Ses études et ce travail ne vous empêchaient heureusement pas de vous distraire, maître François. Vous avez même été alors comédien. Exact. On ne peut rien vous cacher. Un jour, en compagnie d'amis, j'ai joué en effet une sorte de pièce, une farce. Comédie morale de celui qui avait épousé une femme muette. J'en garde un profond souvenir. Les femmes muettes, j'ai le tempérament. Si elles sont toutes comme celle-là. Mais ce ne fut qu'une brève pause. Grâce au ciel, car je ne serai plus là, au milieu des jours et des jours de labeur. Après plusieurs années d'études, je finis par quitter Montpellier sans chercher à obtenir le grade de docteur, tant pressé que j'étais d'aller à Lyon pour y publier enfin mes ouvrages sur Hippocrate. Ces ouvrages donnaient la traduction latine avec en regard le texte grec. Quant au format, je crois qu'on peut dire, maître François, que vous avez fait de ceci l'ancêtre du livre de poche. Vous avez ensuite donné un testament de Cuspidius tiré à 2000 exemplaires en raison du succès de vos ouvrages précédents. C'est exact. Mais tout cela ne me rapportait pas même de quoi vivre. En fait, je parvenais alors à gagner ma vie en soignant le petit peuple. Sans doute fûtes-vous poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Point ! Pourquoi dites cela ? Au contraire, fut nommé par l'aumônerie générale médecin à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Auparavant, j'avais visité la fort belle ville de Chambord, rendant visite à mon frère Jamais, marié à la fille d'honorable homme nommé Geoffroy. Gaudelette de la Morière. Et admirant ces superbes églises et fontaines, à partir du 1er novembre 1532, j'ai commencé à soigner en cet établissement. J'avais pour lors 38 ans. J'ai lu, maître François, que c'était absolument atroce et que les malades étaient nombreux et entassés dans des conditions déplorables. Très nombreux, hélas. Et en cet hôpital, on mourait comme une mouche. J'en ai encore les larmes aux yeux. Et l'on mettait jusqu'à 3 malades agonisants dans chacun des lits. Si serrés ils étaient. Il se tenait sur le côté.
Et quand Tisseux voulait se retourner, tous, il fallait qu'ils le fissent ensemble. J'ai eu grand travail à Lyon pendant mon année. Mais comme je soignais de mon mieux, on y aimait bien. Je voudrais préciser, si vous permettez, que Lyon était alors la seconde ville et presque la capitale du royaume. À Lyon s'agitaient les grosses questions qui mettent en jeu les intérêts de France. En 1450, un édit du roi Louis XI avait accordé à la ville un monopole sur les toiles, les cuirs et les pelleteries, n'est-ce pas ? Les banques étaient nombreuses et bien implantées, et parmi les banquiers, les Italiens étaient les plus actifs et les plus riches. Par ailleurs, à Lyon se donnaient également de nombreuses fêtes, entrées, cavalcades et cortèges pour lesquels tout prétexte semblait bon. L'histoire retiendra combien fut somptueuse la première entrée solennelle du roi Henri II et de la jeune reine Catherine dans la ville de Lyon durant l'été 1548. Et puis Lyon était aussi la ville de Louis l'Abbé, la belle Corbière, qui fut un grand poète et signait ses œuvres, elle, Louise l'Abbé lyonnoise. En 3 élégies et 24 sonnets, on peut dire qu'elle inventa la sensibilité romantique. Caroline, pouvez-vous nous dire, avec le talent dont vous connaissez, 2 ou 3 de ces savoureux sonnets ? Claire Vénus, hier par les cieux, entends ma voix qui en plein chantera, tant que ta face au haut du ciel lira son long travail et souci ennuyeux. Mon œil veillant s'attendrira bien mieux et plus de pleurs te voyant jettera. Mieux mon lit molle de larmes baignera de ses travaux voyant témoin tes yeux. Donc, des humains sont les lassés esprits de doux repos et de sommeil épris. J'endure mal tant que le soleil luit. Et quand je suis quasi toute cassée, et que me mise suis au lit, lassée, crier me faut mon mal toute la nuit. Très bien, on voit mourir toute chose animée lorsque du corps l'âme subtile part. Je suis le toi la meilleure part. Où donc es-tu, ô âme bien-aimée ? Ne me laissez pas si longtemps pâmer, pour me sauver après viendrait trop tard. Las, ne mets point ton corps en ce hasard, rends-lui sa part et moitié estimée. Mais fais, amie, que ne soit dangereuse cette rencontre et revue amoureuse, l'accompagnant, non de sévérité, non de rigueur, mais de grâce amiable, qui doucement me rendent ta beauté, jadis cruelle, à présent savoura. Un autre. Oh, doux regard, aux yeux pleins de beauté, petit jardin plein de fleurs amoureuses, où sont d'amour les flèches dangereuses. Tant à vous voir, mon œil s'est arrêté. Ô cœur félon, ô rude cruauté, tant tu me tiens de façon rigoureuse, tant j'ai coulé de larmes langoureuses, tant l'ardeur de mon cœur tourmenté. Donc mes yeux tant de plaisir avaient, tant de bons tours par ces yeux recevaient. Mais toi, mon cœur, plus les voix s'y complaire, plus tu languis, plus en as de soucis. Or, devinez si je suis aise aussi, sentant mon œil être à mon cœur contraire. Un autre. Merci, maître. Baise-moi encore. Rebaise-moi. Et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux. Donne-moi.
maintenant un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise. Là, te plains-tu? Ça, que ce mal j'apaise en te donnant 10 autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Leur double vie à chacun suivra, chacun en soi, et son ami vivra. Permets, m'amour, pensez quelques folies. Toujours suis mal, vivant discrètement, et ne me puis donner contentement si hors de moi ne fait quelque saillie. Ce mineur est pas mal. Mais d'où est cette petite? Un autre, alors. Un autre. Ben, ça suffit, parce que celui-là... Après celui-là, ce serait dommage d'en dire un autre. Enfin, c'était absolument super. Ah, je suis d'accord avec vous. Je suppose que vous avez rencontré Louise l'abbé durant votre séjour à Lyon, maître François. En fait, lorsque je m'installe à Lyon, Louise n'était qu'une enfant, mais je me souviens fort bien de son père, Pierre Charroux, maître cordier de son état, qui fut l'un des 40 fondateurs de l'aumônie générale. Il avait résolu de donner à Louise une instruction aussi solide que celle de ses frères et s'appuyer pour cela sur un gros traité écrit par Cornelius Agrippa de Neustechheim, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Tenez-vous bien. Ce Cornelius assurait sans sourire que c'est en tout que les femmes surpassent les hommes. À Lyon, j'ai rencontré des gens étonnants et des esprits fort éclairés sur tous les mystères de la vie. Mais je n'avais hélas guère de loisir de discuter avec eux. Alors justement, maître François, pris dans vos innombrables activités, quand donc avez-vous écrit Gargantua? Or, ça j'y arrive. Un ami, quelques jours, m'apporta un petit livre sans nom d'écrivassier et portant en matière du titre les grandes et inestimables chroniques du grand et énorme géant Gargantua. C'était à savoir de ce personnage légendaire fort en gueule et aimant bien faire bête à deux dos, dont on comptait les aventures aux petits enfants barbouillés par tout le pays de France depuis des siècles. Car vous n'en êtes donc pas le créateur. Point. C'est avec Pantagruel, vieux personnage de mythologie française, que je n'eus qu'à mettre en écriture avec un peu de verve et d'imagination, laquelle, vous le savez, est assez débridée. En cervelle, d'écrire sur ce même sujet, pour me faire quelque argent, étant pour l'heure sans un sol, ce que je fis. Et la chose amusa grandement le peuple, sauf pisse-froid et vénéneux sorbonicole, bien sûr. Dans Pantagruel et dans votre œuvre en général, vous tournez en dérision les moines, les soldats, les cuistres de la Sorbonne, qui condamneront Pantagruel comme livre obscène. En somme, l'ensemble de la société de votre époque, et en même temps, vous louez les bontés de la nature et vous exprimez votre foi profonde dans les vertus de la science et de la connaissance. Vous n'épargnez pas non plus la femme et minimisez son rôle dans la société par rapport au nôtre. Louise l'abbé, dont nous parlions tout à l'heure, et qui prêchait l'émancipation des femmes dans son livre « Le débat de folie et d'amour », vous le reprocha gentiment. Que nenni, la femme a le rôle le plus noble qui soit,
celui de perpétuer notre race. Et rien qu'en cela, je lui en suis fort reconnaissant. Mais il est vrai, c'est la loi de Dame Nature, que si elle est pareille à nous en esprit et en cœur, elle en est fort éloignée d'humeur et de sexe, comme l'ont bien montré Hippocrate et tous nos plus grands docteurs. À ce propos, maître François, dans le chapitre 32 du tiers livre des faits et dits historiques, héroïques du bon Pantagruel, Ronibilis souligne cette différence qui indirectement serait la cause du si grand nombre de cocus. Ici-bas, Caroline, qui disait si bien, nous écoutons pour en savoir un peu plus. Mon ami, comme Hippocrate allait un jour de Cos à Abdère rendre visite au philosophe Démocrite, il écrivit une lettre à Denis, son vieil ami, par laquelle il le priait de conduire sa femme, en son absence, chez son père et sa mère, qui étaient déjà honorables et bien considérés, car il ne voulait pas qu'elle restât seule dans sa maison, et en même temps, de veiller sur elle soigneusement, et de guetter où elle se rendrait avec sa mère, et quelle personne lui rendrait visite chez ses parents. Non pas, écrivait-il, que je me défie de sa vertu, de sa chasteté, que j'ai éprouvée, et dont je me suis assurée par le passé, mais c'est une femme, voilà tout. Mon ami, nous pouvons considérer la lune comme une bonne image de la nature des femmes. Sur ce point particulier, entre autres, écoutez bien, mesdames, elles se cachent, se contiennent et dissimulent quand elles sont en vue et en présence de leur mari. Quand ils sont absents, elles prennent leurs aises, se donnent du bon temps, traînent, courent, mettent de côté leur hypocrisie et se dévoilent. De même, la lune est visible dans le ciel et sur la terre. Non pas quand elle a la conjonction du soleil, mais quand elle reluit en sa plénitude et apparaît tout entière, notamment pendant la nuit, quand elle est à son opposition, c'est-à-dire le plus loin du soleil. C'est ainsi que sont toutes les femmes. Quand je dis femme, je veux dire un sexe si fragile, si variable, si changeant, si inconstant et imparfait, que la nature me semble, quand elle a bâti la femme, sauf le respect que je lui dois, s'être égarée de ce bon sens selon lequel elle avait créé et formé toute chose. Et bien que j'y ai songé mille et mille fois, je ne sais que conclure à ce sujet, si ce n'est que, forgeant la femme, elle s'est davantage souciée de contenter le besoin social de l'homme et de perpétuer l'espèce humaine que de réaliser la perfection de la féminité en chaque femme. La suite est savoureuse. Il est certain que Platon ne sait pas à quel rang il doit les placer. Celui des animaux raisonnables ou celui des bêtes sauvages. Car la nature leur a placé dans le corps, dans un lieu secret et interne, un animal, un organe qui ne se trouve pas chez les hommes et par lequel quelquefois sont engendrées certaines humeurs salées, nitreuses, bourracineuses, âcres, corrosives, lancinantes, amèrement chatouillantes, dont la piqûre et le frétillement douloureux ébranlent tout leur corps, emportent tout leur sens, intériorisent toutes leurs passions et troublent leurs idées. C'est pourquoi, si la nature ne leur avait pas arrosé le front d'un peu de honte, vous les verriez courir l'aiguillette comme des forcenés, de façon plus épouvantable que ne le firent jamais les tiades de Bacchus le jour de leur bacchanal. Parce que ce terrible animal a un lien avec toutes les parties principales du corps, comme l'anatomie le montre bien. Je l'appelle animal, aussi bien d'après les doctrines des académiques que d'après celles des péripatéticiens. Je précise que péripatéticien, c'est celui qui marche. Oui. Car si l'existence d'un mouvement propre est l'indice certain qu'une chose est animée, comme l'écrit Aristote, et si tout ce qui se meut de soi-même est appelé animal, c'est à bon droit que Platon l'appelle animal, car il reconnaît chez lui des mouvements propres de suffocation, de précipitation, de contraction, d'excitation, si violents même que bien souvent il enlève à la femme tout autre sens et tout autre mouvement.
comme s'il y avait évanouissement, syncope, épilepsie, apoplexie et tous les symptômes de la mort. Rien plus. Nous voyons clairement que cet animal sait distinguer les odeurs et les femmes perçoivent qu'il fuit les puantes, qu'il recherche les aromatiques, point de suspension. Cet animal, une fois assouvi par l'aliment que la nature lui a préparé dans l'homme, tous ses mouvements particuliers sont à leur terme, tous ses appétits sont assoupis, tous ses déchaînements apaisés. Aussi, ne vous étonnez pas si nous sommes perpétuellement en danger d'être concus. Nous qui n'avons pas toujours bien de quoi les payer et satisfaire leur contentement. Que voulez-vous que je vous dise ? Il est certain que le grand Platon lui-même abonde dans ce sens. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que si j'égratigne gentiment les uns et les autres, ce n'est que dans un autre but, faire rire tout le monde. Permettez-moi à ce propos de vous lire le préambule de Gargantua. Amis lecteurs qui lisez ce livre, dépouillez-vous de toute passion et ne soyez pas scandalisés en le lisant. Il ne contient ni mal ni corruption. Il est vrai que vous n'y trouverez guère de perfection, sauf en matière de rire. Mon cœur ne peut choisir d'autre sujet à la vue du chagrin qui vous mine et vous consume. Il vaut mieux traiter du rire que des larmes, parce que le rire est le propre de l'homme. Reprenez, si vous le voulez bien, maître François, le cours de votre vie. Après Lyon, vous avez été médecin d'un évêque et vous l'avez suivi jusqu'à Rome. On raconte même que vous jugeant moins digne que votre maître qui venait de baiser les pieds du pape, vous avez demandé à lui baiser le derrière. Je suis furieux, follement triste que cette sainte et imbécile histoire, inventée de toutes pièces par Sorbonicole en chaleur et universitaire morveux qui me prenne pour une sorte de bouffon, un grossier personnage. Au contraire, cher ami, j'obtins du Saint-Père mon pardon avec grande humilité. Pour le froc jeté autrefois aux orties, et redevint bon religieux, autorisé à pratiquer la médecine. Mettez-vous ça dans la tête. Retournez alors à l'hôtel de Lyon, où était mon état, et puis j'allais enfin passer mon grade de docteur à Montpellier, et je revins à Lyon. Pardonnez-moi, maître François, je n'ignore pas que Ouidir est l'un des personnages pittoresques de Pantagruel que nous présente Caroline. Alors que nous cherchions dans ce pays si nous trouverions quelque nourriture, nous entendîmes un concert de bruits stridents, comme si c'était des femmes faisant leur lessive ou le battant des moulins de Bazac près de Tours. Sans nous attarder davantage, nous nous transportâmes à l'endroit d'où venait ce bruit et nous vîmes un petit vieillard bossu, contrefait et monstrueux. On le nommait Ouidir. Il avait la gueule fendue jusqu'aux oreilles et dans la gueule sept langues, chaque langue fendue en sept parties. Il parlait avec ces sept langues à la fois sur divers sujets, quels qu'ils fussent, et dans des langues diverses, mais il avait aussi à la tête et sur le reste du corps autant d'oreilles qu'Argus eut jadis Dieu. Pour le reste, il était aveugle et paralysé des jambes. Autour de lui, je vis un nombre innombrable d'hommes et de femmes qui écoutaient avec attention. Je reconnus certains au milieu de la troupe qui faisaient bon visage. Parmi eux, il y en avait un qui tenait alors une map monde.
et qui la lui décrivait sommairement par petits aphorismes. En peu d'heures, il devenait clair qu'en la matière, parlait de beaucoup de choses prodigieuses avec élégance et bonne mémoire. Pour en savoir la centième partie, la vie de l'homme n'y suffirait pas. Il parlait des pyramides, du Nil, de Babylone, des troglodytes, des élastipodes, des pygmées, des cannibales, des monts hyperborés, des égypans, et de tous les diables et tout par oui dire. Là je vis, du moins à mon avis, Hérotode, Pline, Solin, Pomponius, Mela, Strabon, et beaucoup d'autres anciens, puis Albert le Grand, Pierre Martyr, Volterra, Paul Jaune, le vaillant homme, Jacques Cartier, Éton l'Arménien, le Vénitien Marco Polo, Louis de Vertema, et je ne sais combien d'autres historiens modernes cachés derrière une pièce de tapisserie, écrivant de belles œuvres en tapis noir et toujours par oui dire. Derrière une pièce de velours où étaient dessinées des feuilles de menthe, je vis près de oui dire un grand nombre de percherons et de manceaux, bons étudiants, assez jeunes. Quand nous demandâmes dans quelle faculté ils faisaient leurs études, on nous dit que pendant leur jeunesse, ils apprenaient à être des témoins, et qu'ils profitaient si bien de cet art que, sortis de là et revenus dans leur province, ils vivaient honnêtement du métier de témoin, assurant un témoignage sur toute chose à ceux qui donnaient le plus par jour, et tout par oui dire. Dites-en ce que vous voudrez, mais ils nous donnèrent de leur miche et ils nous firent généreusement boire à leur baril. Puis, ils nous avertirent cordialement que nous aurions à épargner la vérité autant qu'il nous serait possible si nous voulions parvenir à la cour des grands seigneurs. À ce propos, vous me disiez tout à l'heure que vous avez ouï dire... Oh, c'est le nom que vous auriez eu alors un fils. Ah, vous êtes bien renseigné, mon prédiseur. J'ai eu en effet un fils, que j'appelais du doux nom de Théodule. Sa mère était une gentillette et savoureuse dame, mais hélas fort écervelée. Je le confiais donc à un prélat, mais pour son malheur et pour le mien, celui-ci, pendant un de mes voyages, le laissa mourir comme pesteux, jugé de mon désarroi, de ma peine. Je n'eus cependant guère le temps de me lamenter sur mon injuste sort. Je fus en effet nommé à Paris maître des requêtes et je dus gagner en hâte la capitale. On raconte à ce propos une histoire. Je suis fort curieux de savoir. Je vais vous la conter, maître François, mais si vous m'assurez que vous ne vous emporterez pas. Je n'ai d'autre but, croyez-moi, que de rétablir la vérité sur votre vie passionnante. Entendu. Dites, je vous en prie, et ne craignez pas mon courroux, vous devriez y être habitué. Bon, eh bien, voilà, comme vous n'aviez pas d'argent pour faire le voyage, vous seriez descendu dans une auberge et vous auriez fait écrire à un petit garçon plusieurs étiquettes ainsi conçues. Poison pour faire mourir le roi. Oh. Poison pour faire mourir la reine. Poison pour faire mourir le duc d'Orléans. Oh. Etc., etc. Puis, ayant collé des étiquettes sur ses sachets, vous avez congédié l'enfant qui alla tout raconter à sa mère. 10 minutes plus tard, on venait vous arrêter et le prévôt vous faisait conduire à Paris. Là, vous auriez développé vos sachets, qui ne contenaient que de la cendre, et toute la cour se serait amusée de votre stratagème pour voyager gratuitement. Ce n'est donc là ce que vous savez de moi. Ce n'est encore une fois que menterie et invention de beaux esprits. Qui ferait mieux d'aller se remuer le croupion sous les fougères que de parler comme Nigo.
avec mon histoire. Vous le voyez ou non. Je devins enfin chanoine. Puis j'obtins les cures de Saint-Martin de Meudon et de Saint-Christophe de Jambay dans la ville du Mans. Je vécus ainsi 2 années, soignant toujours, car là était ma vocation. Et écrivant mon 5e livre, sans m'esbigner beaucoup au métier de curé. Ce pourquoi on me résigna pour inhabileté, incapacité, irrégularité, irrégularité. Dieu me pardonne de l'avoir si mal servi. Et puis, je devrais bien mourir usé par mon labeur, et si j'en crois mon fidèle ami Michel de Notre-Dame, ce serait à Paris le 4 avril 1553, en une maison sise derrière l'église Saint-Paul, en presse, la rivière Seine. J'aurai pour l'heure 59 ans. Voilà. Je crois que vous savez tout désormais, sauf bien sûr des femmes que j'ai aimées. Et des secrets que j'ai pu mettre dans une œuvre plus sérieuse que vous me semblez croire. Vous, les ânes fieffés et sorbonicoles, et on découvrira peut-être quelque jour, en un autre siècle de l'histoire des hommes, avec un grand ébahissement, toute la substantifique moelle. Que nous sommes enfin réunis au sein de ce monde des disparus de la terre, livrons-nous sans contrainte au joli jeu de réversis et de pouce avant pour notre plus bon plaisir et pour une éternité. Et visiblement terminé. Quel personnage singulier, ne trouvez-vous pas? Chaleureux, enthousiaste, mais susceptible. François Rabelais connaîtra, au-delà de sa vie, un long purgatoire. En 1685, La Bruyère parlera, en évoquant son œuvre, d'un monstrueux assemblage d'une morale ingénieuse et d'une sale corruption. Voltaire, en 1760, dira qu'elle était composée de gaieté et d'impertinence, d'érudition et d'ordure. André-François Poncet, en 1952, regrettera qu'il fût un railleur, bouffon, paillard, avant d'être un moraliste, et fustigera son comique fastidieux. Mais, avec la fin des années 70 et la libération des mœurs, Rabelais sera reconnu par tous comme l'un des plus grands auteurs français de la Renaissance et l'un des maîtres et des princes de la satire. Selon Michel Butor, il sera l'auteur de l'une des œuvres les plus difficiles de toute la littérature française et incontestablement les plus déconcertantes qui soit dans aucune littérature. Quant à sa vie, si ses déclarations vous rendent perplexe, je peux vous avouer à présent que j'ai consulté de nombreux documents sur sa vie avant de recevoir ce soir et vous affirmer qu'il ne vous a pas menti. À aucun moment de son existence, il ne fut ce gros farceur que l'on avait tendance à imaginer, ou encore ce débauché obscène et impie représenté, la trogne enluminée. Caricaturiste de son temps, il fut au contraire un homme pieux, même s'il n'était pas vraiment fait pour l'état ecclésiastique.
et surtout un chercheur méticuleux et opiniâtre, travailleur infatigable et acharné, sans doute l'un des plus grands érudits de son temps, à la fois poète, archéologue, astrologue, théologien, juriste, botaniste et sans conteste l'une des lumières de la médecine. Austère et studieuse, telle fut donc la vraie véridique vie de Maître François Rabelais.